L'évolution économique dans tous ses aspects en République démocratique du Congo, on en parle dans cette édition de Tous les jours, Zoomeco Live. Mesdames, Messieurs, c'est une joie d'être avec vous dans ce grand rendez-vous d'information économique. Pour commencer, vous aurez droit à des plus amples précisions sur les recettes publiques du gouvernement congolais au mois d'août 2022. C'est le titre du chiffre clé. Par après, bonne nouvelle, la Quinoise inaugure son usine moderne de transformation de café d'une capacité de 35 000 paquets par mois. Les détails avec Judith Piombo dans le dossier. Enfin, nous allons plonger vers de nouvelles analyses de Patrick Bomboka dans la chronique. Vous le verrez, décryptage en profondeur. Mais avant d'y arriver, la sonnerie en bref. Commençons les nouvelles en bref avec cette information. Pénurie de carburant à Kinshasa, Didier Boudimbo évoque une baisse sensible de stock d'essence. Il s'observe depuis le lundi 5 septembre 2023 à Kinshasa des longues files d'attente de véhicules pour se ravitailler en carburant dans les stations-service. D'après le service de communication du ministère des Hydrocarbures, la ville de Kinshasa consomme d'ordinaire plus ou moins 11 000 mètres cubes de carburant par jour et à la suite de cette décrue, un plan de contingentement est appliqué pour assurer l'approvisionnement de la capitale en essence essentiellement. Autre nouvelle, au 26 août 2022, la trésorerie publique de la République démocratique du Congo a présenté un solde déficitaire provisoire de 346 milliards de francs congolais, soit près de 173 millions de dollars américains. C'est ce qu'a fait savoir le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, lors de la dernière réunion du Conseil de ministres du gouvernement central. En cumul annuel, la trésorerie publique présente un solde excédentaire de 649 milliards de francs congolais, soit plus de 324 millions de dollars américains. La trésorerie de l'État présente un solde déficitaire de 346 milliards de francs congolais, contre un excédent de 649 milliards de francs congolais en cumul annuel, a présenté Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. D'après le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, le Trésor public a encaissé un appui budgétaire de la Banque mondiale de l'ordre de 240 millions de dollars américains au courant du mois d'août 2022. Cette enveloppe serait affectée à divers projets d'investissement public. En bref encore, accord FMI-RDC, les travaux préparatoires de la troisième revue économique prévue du 7 au 13 septembre 2022. D'après le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi, ces travaux se focaliseront sur la loi des finances 2023 ainsi que les critères quantitatifs et les repères structurels. Selon les sources du ministère des Finances, les travaux préparatoires de la troisième revue du programme ont déjà débuté au niveau technique. La mission proprement dite de l'équipe pays à Kinshasa se tiendra du 19 octobre au 1er novembre 2022. Au terme de cette mission, l'équipe d'experts de FMI élaborera un rapport à l'attention du conseil d'administration qui en débattra mi-décembre 2022. Finissons les nouvelles en bref avec cette information. Le total de dépôts des banques passe de 5,6 milliards de dollars américains en mars 2020 à 10,33 milliards de dollars américains fin septembre 2021, note le FMI. C'est ce qui ressort d'un rapport du Fonds monétaire international fondé sur une étude sur le système financier congolais. Ce même document renseigne que les excédents de fonds détenus par les banques résultent essentiellement de dépôts en monnaie étrangère qui ont doublé depuis le début de la pandémie, conséquence des obligations de rapatriement des devises plus élevées. Cela est survenu suite au changement du code minier imposé par les entreprises minières de rapatriement de 60% des revenus contre 40% auparavant. Le système financier congolais révèle que la plupart des clients de banque préfèrent épargner en devises, ce qui maintient le degré extrêmement élevé de dollarisation du système bancaire sur sa surliquidité. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons à présent passer à la prochaine rubrique. Il s'agit des chiffres clés avec Benny Tamouine. Benny Tamouine est bienvenue. Merci, Unamaka. Nous vous recevons aujourd'hui pour nous parler des recettes publiques du gouvernement congolais réalisées au mois d'août 2022. Alors, avant d'y arriver, à combien s'évalue le franc congolais, le franc CFA, l'euro, actuellement en République démocratique du Congo? Commençons par la Banque centrale du Congo qui fixe 1 dollar à 2021 francs congolais. Un franc CFA se troque à 3,07 centimes et 1 euro à 2015 francs congolais. Nous sommes en bins à Yupen pour le compte du marché parallèle. Là, 1 dollar est fixé à 2037 francs congolais, un franc CFA à 3,20 centimes et 2070 francs congolais pour 1 euro.
Revenons à votre thématique. Au cours du mois d'août 2022, combien le gouvernement a réalisé comme recettes? Au cours du mois d'août 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a réalisé les recettes publiques de l'ordre de 1567,7 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 145% par rapport aux prévisions mensuelles qui étaient de 1083,6 milliards de francs congolais. Selon la note du ministère de Finances, comment ces recettes se ventilent? Selon la note d'information du ministère de Finances congolais, les recettes se ventilent de la manière suivante. La DGDA a mobilisé les recettes de 392,2 milliards de francs congolais, soit 97% sur les prévisions mensuelles de 140 milliards de francs congolais. La DGI a perçu 860,7 milliards de francs congolais, soit 199% sur les prévisions de 432,4 milliards de francs congolais. Et la DGRAD qui a mobilisé 309,7 milliards de francs congolais, soit 128% sur les prévisions mensuelles de 241,1 milliards de francs congolais. Parlons à présent du cumul des recettes du 1er janvier au 31 août 2022. À combien se sont-elles chiffrées? Les recettes cumulées du 1er janvier au 31 août 2022 sont chiffrées à 13,1 milliards de francs congolais. D'un côté, les recettes cumulées représentent 134% de taux de réalisation par rapport aux prévisions de janvier à août 2022 qui étaient de 9,688,9 milliards de francs congolais et de l'autre 88% de taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14,790,9 milliards de francs congolais. En comparant aux recettes cumulées l'année passée à la même période, les recettes cumulées représentent quelle variation exactement? Selon le ministère congolais des Finances, les recettes cumulées représentent une augmentation de 72% en comparaison aux recettes de janvier à août 2021 qui étaient de 7,515,1 milliards de francs congolais, affichant une marge de 5,485,9 milliards de francs congolais, équivalent à 2,7 milliards de dollars américains. Et pour finir, une dernière question. Quelle a été la contribution de chacune des trois régies financières par rapport aux recettes cumulées? S'agissant de la contribution de chacune des trois régies financières par rapport aux recettes cumulées, elle s'est opérée de la manière suivante. La DGDA a contribué avec 2486,7 milliards de francs congolais, soit 53% sur les prévisions annuelles de 4,565,9 milliards de francs congolais. La DGI avec 8,328,6 milliards de francs congolais, soit 115% sur les prévisions annuelles de 7,254,9 milliards de francs congolais. Et enfin la DGRAD avec 2,245,6 milliards de francs congolais, soit 76% sur les prévisions annuelles de 2,969,8 milliards de francs congolais. Merci beaucoup Benita Mouini pour tous ces éclaircissements. Merci à vous, Namaka. Bonne nouvelle, la Quinoise inaugure son usine moderne de transformation de café d'une capacité de 35 000 paquets par mois. Judith Piombo nous donne des explications dans son dossier. C'est à l'instant. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Inauguration officielle de la Quinoise et nous en parlons. Sachant que c'est une société spécialisée dans la transformation de café arabica et robusta, 100% congolais, alors quel sera l'apport de cette usine du point de vue production par rapport à son ancien atelier artisanal? Voilà, signalons que samedi dernier, c'était l'inauguration officielle de l'usine Quinoise qui permettra donc de produire la version unidose avec un emballage en fibre naturelle biodégradable en respectant bien sûr les règles écologiques. Et bien sûr, par rapport à son ancien atelier artisanal qui n'était possible ou capable de ne produire qu'un maximum de 3000 paquets par mois, la nouvelle usine, elle, aurait une capacité de production industrielle de 35 000 paquets par mois. 35 000 paquets par mois? On peut parler d'une avancée significative et vous avez parlé de l'usine moderne qui a été inaugurée. Alors, doit-on dire qu'elle existe et fonctionne depuis longtemps?
Voilà, sur ce, on va parler un tout petit peu de la petite histoire. Elle a été lancée en 2020 et la société quinoise commercialise depuis 2021 une gamme constituée de 3 variantes de café dans 4 villes de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Matadi, Boma et Lubumbashi. Et avec sa nouvelle usine, la société s'inscrit dans un processus d'expansion dans différentes autres provinces de la République démocratique du Congo. Actuellement en RDC, avec cette usine moderne de transformation de café dont vous venez de nous parler, pouvons-nous affirmer être capables de compétir? Alors, pour répondre à ça, nous vous proposons de suivre un élément du ministre de Commerce extérieur qui était lui aussi à l'inauguration de l'usine moderne La Quinoise. Nous allons à présent prendre les propos du ministre de Commerce extérieur lors de cette inauguration. C'est tout de suite. Voilà que nous sommes capables de donner. Nous sommes capables de donner du café à l'extérieur, bien emballé. Nous sommes capables donc de compétir. La détermination à pouvoir relever les défis congolais à partir d'un produit qui est le café, qui est un produit dont le Congo a la capacité d'offrir et aux Congolais et au monde. C'est une nouvelle dynamique qui nous permet de comprendre qu'il est possible de faire beaucoup de choses dans le pays, mais aussi qu'il est possible à la jeunesse et à tous les Congolais de capter les opportunités internes et de les transformer en véritable richesse. Merci à vous, Judith Piombo, pour toutes ces précisions. À demain pour un autre dossier. Merci à vous. Juste après elle, nous allons prendre la chronique présentée par Patrick Bombouka. Suivez. Bonjour. Le coût des subventions pétrolières devient de plus en plus un casse-tête pour le gouvernement de la République démocratique du Congo qui se mobilise pour trouver une solution efficace. Depuis la crise mondiale du pétrole due au conflit entre la Russie et l'Ukraine, les autorités congolaises constatent une montée vertigineuse de frais dus au paiement de subventions pétrolières. Malgré la tendance baissière observée ces dernières semaines sur le marché international, le prix du pétrole reste très volatile sur le marché congolais. Et bien, pour faire face à cette situation, le gouvernement congolais devrait mobiliser un montant total estimé autour de 400 millions de dollars américains pour compenser la hausse de cours mondiaux des produits pétroliers. Le gouvernement de la République démocratique du Congo applique maintenant depuis plusieurs années une politique de subvention couvrant les pertes subies par les sociétés pétrolières en raison des prix relativement bas fixés à la pompe. Dans le cadre de la stratégie du gouvernement congolais pour garantir les approvisionnements en carburant et réduire le coût de la subvention pétrolière, le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, évoque la possibilité d'améliorer les délais qui s'écoulent avant le décaissement de la subvention. Il estime donc que toutes les étapes d'évaluation et de certification des pertes subies par les sociétés pétrolières sont parfois très élastiques. Selon lui, ces décalages entraînent l'amenuisement de la trésorerie des sociétés pétrolières et alourdit leur endettement vis-à-vis des fournisseurs. Est-ce que le gouvernement congolais s'achemine-t-il vers la fin de subventions pétrolières au regard de la facture de plus en plus insoutenable ? D'après le ministre congolais des Finances, l'insolvabilité récurrente des pétroliers décourage leurs fournisseurs et réduit les quantités de carburant sous le marché. Et donc, en vue d'apporter une solution durable à la problématique de la hausse des prix des produits pétroliers, le gouvernement congolais envisage donc, à travers le ministère de l'Économie nationale, de mettre en place, avec le concours du groupe GEMCOR, une facilité de financement pour garantir les approvisionnements en carburant et ainsi réduire les coûts de la subvention pétrolière. Il faudrait savoir que cette facilité, dont le montant s'élève à 500 millions de dollars américains, est répartie en tranches et pourrait être offerte au gouvernement congolais à des conditions quasi concessionnelles. Ce qui veut dire que les importateurs locaux vont directement accéder au carburant en supprimant ainsi les coûts additionnels liés aux intermédiaires. Pour le gouvernement congolais, cette facilité devrait donc résoudre à la fois
le problème de solvabilité des importateurs ainsi que le risque de pénurie sur le marché. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous voulez équiper votre espace de travail, que ce soit chez vous à la maison ou en entreprise. Naomi Kandé regroupe pour vous l'ensemble des meubles, fournitures et accessoires de bureau, suivis de leur prix. Écoutez les précisions dans Zoom Wendy. C'est parti. Aménager son bureau pour un travail plus productif. Bonsoir à tous et heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Vous démarrez votre entreprise, que vous ayez un bureau à la maison ou un local, il est important de pouvoir s'aménager en fournitures et meubles pour pouvoir travailler en toute sérénité et être plus productif. Ce nouveau numéro Zoom Wendy vous en donne le prix. C'est tout de suite. Commençons ces nouveaux marchés avec le prix de meubles où l'on trouve au marché de Kinshasa un fauteuil ergonomique au prix de 200$. Alors qu'une chaise président exécutif sont le plus cher que d'autres types de chaises, avec un meilleur embourrage pour plus de confort. Et le prix varie entre 250$ et 300. Une chaise d'invité coûte 150$. Une table de bureau coûte 100$ et 200$. Pour ceux qui préfèrent se procurer un ensemble de chaises et tables, cela est vendu au marché de 300$ à 500$. On a aussi pensé à vous ramener le prix d'armoire de rangement, qui fait partie des mobiliers nécessaires au bon aménagement d'un espace de travail. Et c'est là le prix varie entre 130$ et 300$. Un porte-manteau en bois coûte 50$, alors que celui en métallique revient au prix de 80$, voire même 100$. Vous trouverez aussi des coffres forts dans le marché quinois de 300$ à 1200$. Passons au prix de fourniture de bureau, où l'on trouve un classeur à 30 000 francs. Un rame de papier duplicateur coûte 12 000 francs. Entre 200$ et 800$ est le prix d'une imprimante. Un paquet de stylos coûte 10 000 francs et 15 000 francs. Cela dépend de la marque que vous souhaitez vous procurer. Pour rendre votre lieu de travail plus accueillant, optez pour un diffuseur de parfum en forme de bâtonnet qui se vend à 35$. Et un diffuseur de parfum en spray coûte 20$. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Article 15, ce numéro consacré à la débrouillardise, donne la parole à un ferrailleur qui accepte volontiers de nous raconter son quotidien. Découvrons-le tout de suite. Comme contremaître, on a travaillé sur ferraillage. On a vendu Moussala à l'âge de 16 ans. À 16 ans, lorsque nous avons quitté une école humanitaire, j'ai travaillé et puis on a aucune des classes. Donc, on a oublié ma casse vraiment la carrière, on a eu aucune déjà 9 ans. Dans un père de famille, dans un foyer. Et puis, nous avons une forme sous et habitude dans la salle. Donc, nous avons organisé vraiment à travers nous. Il y a souvent, ils ont aidé à ma casse de vie. On a organisé dans ma rambe belle. Difficulté souvent. Tapo tous allez à cadre et au timol parce que tous un terrain ils a marécagé donc au timol les un peu difficile parce qu'ils ont bas maille surtout place tous allez à full macasse les autres c'est vraiment fort pour toi arriver là toi atteindre niveau la biseau toi le capot toi atteindre bon sol
Alors, na kolo baka na gouvernement za ki métier na biso eza isolé. Eza isolé makasi parce que sotali maçon en RDC maçon za vraiment considéré té comme na ba misa mususu ba métier mususu. En tout cas, le gouvernement nous a vraiment soutenu. Parce que nous avons des difficultés, nous avons des fois, nous galérons à rappeler, il manque un travail. Et arrive. Alors, ceux qui gouvernement ont soutenu, ils ont moi, entreprise, ils ont modernisation et aux arrêtés. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de partager avec vous ce moment d'actualité. À demain pour un nouveau tour d'informations économiques sur Zoomeco Live. Au revoir.